On prend les mêmes et on recommence, sachant que comme en 2017, nous aurons une demi-finale à l'US Open entre Rafael Nadal et Juan Martín del Potro. En 2017, c'était l'Espagnol qui s'était imposé en 4-7. Est-ce que ça sera la même histoire en 2018? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo preview. C'est parti, let's go! Donc comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs, à commencer par Rafael Nadal qui, pour arriver en demi-finale, a dû s'imposer contre David Ferrer, Vasek Pospisil, Karen Khachanov, Nicolas Bachiachvili et Dominic Thiem en quart de finale. Il a lâché 4 sets en tout, un contre Khachanov, un contre Bachiachvili et deux contre Dominic Thiem. Et il a passé surtout 15h53 sur les courts, dont 12h30 sur ses trois derniers matchs. A titre de comparaison, depuis son retour au premier plan en 2017, le grand chelem où Rafael Nadal a passé le plus de temps sur les courts pour se hisser en demi-finale, c'était justement à l'Open d'Australie 2017, où pour arriver contre Grigor Dimitrov, il avait passé en tout 14h03 sur les courts. Donc actuellement, à cette édition de 2018 de l'US Open, on est à 2h de plus pour arriver en demi-finale. Donc ça montre vraiment les efforts qu'a dû engranger Rafael Nadal pour arriver jusqu'à Juan Martín del Potro. C'est vrai que dans ce tournoi, on a Rafael Nadal en mode survie. On a eu cette inquiétude, déjà avec ce strap sur ce genou droit qui est apparu contre Karen Khachanov. Strap qui a disparu après contre Bachiachvili et contre Dominic Thiem. On a vraiment l'impression que Nadal souffre physiquement sur chacune de ses rencontres. Bah, c'est normal avec les conditions un petit peu extrêmes, cette forte humidité. Et c'est vrai que Nadal est très inconstant, très passif également. Il fait beaucoup de premières secondes. On a l'impression qu'il ne peut pas vraiment pousser sur ses jambes au niveau du service. Il défend relativement bien, mais des fois il manque un petit peu d'implication physique pour vraiment être agressif, pour vraiment rentrer dans le court. Il essaie de monter pas mal de fois au filet, comme contre Dominic Thiem, où il a fait plusieurs bonnes montées au filet, mais il a également eu quelques trous d'air où il loupe vraiment des volets faciles et des fois il manque un petit peu de lucidité. Rafael Nadal pourra se rattacher à son excellent ratio en 2018, où il a 45 victoires pour 3 défaites avec 48 matchs disputés, 15 de moins que l'année passée, donc en 2017, au même stade de la compétition, juste avant d'affronter Juan Martín del Potro, où il était à 63 matchs disputés. Et surtout, Rafael Nadal est à un pas de pouvoir défendre son titre à l'US Open acquis en 2017. C'est vraiment quelque chose de très rare chez lui, sachant qu'il a été dans cette position seulement 3 fois dans sa carrière, donc à Wimbledon 2011, en finale pour défendre son titre acquis à Wimbledon 2010, pareil à l'US Open 2011, et pareil à Tokyo 2011. Et dans chacun de ces 3 cas, il n'a jamais réussi à défendre son titre acquis l'année passée. Maintenant, on va passer à Juan Martín del Potro qui, pour se hisser en demi-finale, elle a dû sortir Jung, Kudla, Verdasco, Choric et John Isner. En quart de finale, il a perdu seulement un set. C'était au tie-break contre John Isner. Il a passé en tout 12h15 sur les courts. Et pour moi, vraiment, Del Potro, c'est le joueur qui m'a fait la plus grande impression dans ce tournoi. Il se montre vraiment très très solide. Il est vraiment impressionnant sur chacune de ses rencontres. On avait quelques inquiétudes avant le début de l'US Open concernant son poignet, mais lui nous a rassuré, tout va bien, et c'est vrai qu'on voit que tout va bien sur ses matchs, sachant qu'il arrive parfaitement à frapper ses revers à deux mains, il n'a pas besoin de slicer comme il pouvait le faire à chaque fois lors des tournois de préparation avant l'US Open. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de cette confrontation, je me suis amusé à comparer les temps passés sur les courts de Nadal et Del Potro avant justement que l'un et l'autre se rencontrent. Donc par exemple à l'US Open 2017, avant que les deux se rencontrent, donc en demi-finale, Nadal avait passé 11h58, Del Potro avait passé 13h32. À Roland-Garros 2018, avant que les deux se rencontrent en demi-finale, Nadal avait passé 13h26 sur les courts et Del Potro 12h22. Et à Wimbledon 2018, avant de se rencontrer en quart de finale, Nadal avait passé 8h10 sur les courts et Juan Martín del Potro 10h17. Au niveau des confrontations, Rafael Nadal mène 11-5 contre Juan Martín del Potro. Il y a 5 partout sur dur et il y a surtout 1 partout à l'US Open. Nadal reste sur une très bonne dynamique, sachant qu'il a remporté les 3 derniers matchs qu'il a dû disputer contre l'Argentin. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux hommes pour arriver en demi-finale. Donc on constate que Nadal a été vraiment solide sur sa première balle avec 66% de première balle et 74% de points marqués derrière. Par contre, il a de réelles lacunes sur sa seconde balle avec seulement 55% de points marqués derrière sa seconde balle. Au niveau des clés tactiques, dans un premier temps, les deux joueurs vont devoir très bien servir, passer un maximum de première balle pour éviter de se faire agresser sur leur seconde balle. Nadal va devoir dominer la diagonale coup droit Rafa, revers Del Potro avec son énorme coup droit lifté pour faire reculer un maximum l'Argentin et ensuite rentrer dans le court pour l'attaquer plein coup droit. A l'inverse, Del Potro lui va devoir casser cette diagonale avec des revers longs de ligne, d'où l'importance d'être en forme avec son poignet pour pouvoir justement taper des revers à deux mains. S'il arrive à casser cette diagonale ensuite, il pourra un petit peu plus dicter le jeu avec son énorme
coup droit pour faire courir Rafael Nadal, pour le priver de temps et surtout pour l'agresser. Et ainsi, c'est l'Argentin qui pourra rentrer dans le court et faire le jeu. Il devra ne pas hésiter également à utiliser son coup droit court croisé pour faire sortir Rafa côté revers et derrière s'ouvrir le court. Venons au pronostic, je vois une victoire de Juan Martín del Potro en 4-7, quelque chose comme 6-3, 7-6, 4-6, 6-2. Je vois vraiment l'Argentin prendre sa revanche de l'an dernier au même stade de la compétition et surtout prendre ses revanches de ses trois dernières déconvenues contre l'Espagnol, sachant que là la dynamique est totalement inversée par rapport à il y a un an c'était Del Potro qui arrivait fatigué de tous ses combats où il avait dû batailler 5-7 contre Dominic Thiem, 4-7 contre Roger Federer. Là c'est totalement l'inverse, c'est Nadal qui a énormément puisé dans ses réserves, c'est Nadal qui va peut-être un petit peu manquer d'essence sur ce tour-ci. C'est pour ça que je vois vraiment l'Argentin s'imposer et rallier une autre finale à l'US Open après celle de 2009. Il faudrait également surveiller, c'est la météo, sachant qu'en début de semaine on a eu des conditions assez drastiques avec un climat très très chaud et très humide. Apparemment, ils annoncent des baisses des températures en fin de semaine, donc vendredi, ils devraient faire dans les 25-26 avec un plus faible taux d'humidité, donc ça aura bien évidemment sa part dans le match qu'il y aura entre les deux hommes. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, ton avis, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans cette rencontre, à lâcher un petit pouce bleu. Si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et de l'actualité de cette US Open. On va revenir très très vite pour débriefer tout ça. D'ici là, porte-toi bien, moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.